Yo, avant que la vidéo commence, je tiens à rappeler, si vous voyez que ma voix dans cette vidéo est un peu basse ou quoi, c'est parce que au moment où je tourne la vidéo, il est tard. Donc voilà, bonne vidéo à vous. C'est la sauce de Jetakill, on se retrouve en vidéo sur Minecraft pour l'épisode 6 de la survie. Donc dans le précédent épisode, les gars, on était revenu de la mine, on avait tout fait chauffer juste ici. On avait, si je me souviens bien, attaqué la base des maraudeurs, la tour des maraudeurs plutôt. Et voilà, du coup on était plutôt pas mal, donc au moment où on tourne la vidéo, l'épisode 1 est en train de sortir, donc il n'est pas sorti encore, mais il est en train de sortir et en train de se charger quoi. Donc pour cet épisode les gars, ce que j'ai prévu, donc j'avais prévu d'aller dans le Nether, comme vous le savez tous, mais, comme les 5 épisodes je les ai tournés hier du coup, au moment où je tourne l'épisode 6 quoi, eh ben je me suis un petit peu renseigné sur YouTube. Et la netherite, en fait, c'est pas si facile à avoir, en fait. C'est même très très compliqué. Et bon, il y a la fameuse technique de la laine qui est plutôt pas mal. Après, il y a la technique, si on est plus riche, de TNT. Mais bon, moi, je suis pas riche pour le moment, donc j'ai pas beaucoup de TNT. Mais la laine, c'est très très facile à s'en procurer. Donc, il y a une petite farm, il y a une petite farm à laine. Mais elle est un petit peu compliquée à... Bon, elle est simple à faire, mais... Pour l'épisode 6 de notre survie, c'est un petit peu compliqué à faire parce que je sais même pas si on a tous les matériaux. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ou de faire, déjà c'est sûr qu'on va faire un des deux, donc ou faire un élevage de moutons avec un enclos comme les anciennes survies et faire un petit élevage et reproduire les moutons et les cisailler tous les jours, ou faire la farm à laine, mais on aura besoin qu'un mouton. Et voilà, parce que la netherite, c'est vraiment très très compliqué à avoir finalement. Je pensais que c'était très très facile, mais en fait, si on n'a pas les techniques du lit et de la TNT, ben, en 1 heure et demie, on n'en trouve que 3. Et 3, ben, c'est rien en fait, c'est juste une épée quoi. Bon, alors finalement les gars, j'ai bien réfléchi et on ira dans l'épisode, dans le nether, dans l'épisode 7. Donc dans le prochain épisode, on ira dans le nether, mais on n'ira pas pour chercher de la netherite. On ira pour explorer un petit peu les biomes, pour voir dans quel spawn on va atterrir en prenant le portail de notre monde jusqu'au monde du nether. On va voir un petit peu ça. Et dans les prochains épisodes à venir, donc l'épisode 8, 9, 10, 11, 12, peut-être en hors caméra même, je pense pas en hors caméra, mais peut-être en faisant un épisode spécial netherite où on va que faire de la netherite, ou peut-être je ferai même un live pour live survie spécial netherite. Je ferai même un petit truc comme ça. Donc restez bien actifs sur la chaîne. Donc voilà. Donc alors déjà on va prendre la petite obsidienne. On va faire le petit portail pour le préparer pour le prochain épisode. Alors, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Puisque là, maintenant, c'est un nouveau Nether. C'est un nouveau Nether. On va le faire autre. On va le faire un petit peu éloigné de notre base. Parce que j'ai peur qu'il y a pas mal de mobs qui sortent en fait du truc. Donc là, il y a une grotte. C'est pas mal aussi. J'ai peur qu'ils du Nether et qu'ils attaquent tout en fait. Parce que je sais que les petits cochons du Nether. Et qu'ils ont 4 pattes là, et ben quand ils sortent, il faut attendre 15 secondes et après ils se transforment en squelette bizarre et ils attaquent tout ce qui bouge, donc tous les cochons, les joueurs comme moi, les vaches, les moutons, les perroquets, les loups, les perroquets, les poules et les loups, tous les animaux quoi du jeu. Et je sais pas, les mobs, je crois pas. Si, ils attaquent les mobs, si, sauf les creepers, ils attaquent les mobs, sauf les creepers, et voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'aimerais pas qu'ils cassent tout en fait. Donc on va le mettre ici. Je pense que c'est plutôt pas mal ici. Allez, on va le positionner ici. Hop. Donc si je me souviens bien, c'est comme ça. Alors je sais pas combien c'est de haut. Je crois c'est tac. 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 Ouais, c'est un truc comme ça. Hein. C'est 3 d'hauteur. Ça peut pas être 2. Ok. Bon bah rip, il manque une obsidienne. Bon. Il manque une obsidienne. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on l'a commencé. On sait où on l'a installé. On est bon. On est bon, on est bon. Après, peut-être qu'on le déplacera par la suite. Je sais savoir. Alors, déjà, on va dormir.
pour tout simplement qu'il fasse jour. On va récupérer le blé qui nous reste pour tout simplement. Alors le blé, par contre, le blé, je l'ai mis où? Le blé, il est là. Donc on va prendre du blé sur nous. Alors on va juste poser le briquet puisqu'il nous sert à rien. Prendre la petite cisaille aussi sur nous. Nickel. Donc ce qu'on va faire, on va aller. Déjà, il faut faire l'enclos. Déjà, ça j'ai oublié. Ok, Enderman, ça m'intéresse par contre. Ça, les Enderman. Tu m'intéresses. Il faut pas que tu fuis. Ne fuis pas. Très bien, yes. Alors, le petit enclos, ce que je vous propose, c'est de le faire juste ici. Je pense que c'est une très bonne zone pour le faire. En plus, il y a le petit champ de baie qui est là. Donc, je pense qu'on va faire le petit champ. Le petit enclos ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc on va le faire 5 comme ça. Peut-être ça comme ça. Ça me paraît un petit peu petit, je pense. Je pense qu'on va en faire un peu plus quand même de barrière. Parce que ça me paraît un peu petit. Donc on va en faire. On peut en faire encore que 3. Donc voilà. Est-ce que ça va nous suffire? Ça, je n'ai aucune idée. Non, 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 ça va pas nous suffire. C'est trop petit. Donc, ce qu'on va faire. Non, par contre, toi. Voilà, merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du bois pour tout simplement faire un plus grand. Un truc plus grand. Le lit, la technique du lit pour la netherite, c'est tout simplement la plus facile en fait. C'est la plus facile à obtenir. Donc, on va faire tout de suite les petites planches. Hop. On va faire tout ce qu'il faut. On va faire des sticks aussi. Il faut combien de sticks là? C'est bon là. On peut pas faire de barrière? On peut. Ah si! Ouh là là, j'ai eu peur. Je me suis dit on peut pas faire de barrière, c'est quoi ça? Voilà, 27, là ça suffit. Enfin normalement. Hop. Mais du coup, on va agrandir le petit enclos. Pour que ça soit un petit peu. Mais bon, c'est pas de la même couleur, mais c'est pas grave. On s'en fout. Faire grand comme ça. Je pense que comme ça, il est plutôt pas mal. On va utiliser les 5 en chaîne. Voilà. Et là, on en pose un. Et là, ok, bah c'est nickel. Voilà, nickel. Donc alors, j'ai récupéré une torche par terre. On va la mettre au milieu. Comme ça pousse un peu plus vite. Donc alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite aller récupérer deux moutons. Pour tout simplement faire un élevage. Donc on va pas les tuer pour la nourriture. On va plutôt les obtenir. On va obtenir leur laine. Parce que je trouve que la farm à XP, ça va être beaucoup trop long à faire. Du coup, c'est mieux de faire le petit élevage comme je fais là. Enfin, c'est mieux pour moi pour le début de la survie, quoi. Pour pas user beaucoup de ressources. Surtout que j'ai pas de redstone. Donc ça va servir un peu à rien. Allez, viens. Très bien. J'ai juste récupéré ta petite laine. Voilà, vous voyez, il m'en a récupéré une, donc c'est très très peu. Mais ça dépend des moutons. Il y en a certains qui vont te donner 3 laines, certains 2, certains 1. Donc c'est à voir. Alors, j'aimerais bien. Ah, voilà, un petit deuxième. Puis ce qu'il nous fallait. Allez, viens, ramène ton petit mouton. Comme ça, on va pouvoir obtenir toute la laine qu'il nous faut. Donc ça va venir au fur et à mesure de la survie. Hop, allez. Tu rentres dans le petit élevage. Jusqu'où peut. Voilà, lui, vous voyez, il m'en a donné 2 par exemple. Oula. Ok. Je vais récupérer juste vos laines. Non, revendre. Vous voyez comme c'est rapide. Ils ont juste à manger la petite herbe. À manger les petites herbes qu'il y a par terre. Et tout simplement, il m'en a donné 9 déjà. Vous imaginez? Donc, justement, j'en ai 2. Donc, un là
Et voilà. Et voilà. Et voilà, nickel. Nous avons un petit bébé qui est présent dans lui. On peut pas attendre ça. Non, on peut pas attendre ça. Sa laine. Donc voilà, vous venez de voir en direct. Les moutons, j'ai récupéré leur laine. Ils ont mangé de l'herbe, les deux. Et j'ai re-récupéré leur laine. Et du coup, ça m'a fait 9 laines déjà. Vous imaginez? Avec rien que 2 moutons, on a récupéré 9 laines. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un marchand ambulant. Ok. C'est bien ce que je me disais. Alors, qu'est-ce que tu vends, mon cher ami? Ouais, ok, ça m'intéresse pas. Bon, les laisses, je vais pas le tuer pour récupérer les laisses là, parce que ça me sert à rien pour le moment. On en a fini pour le petit enclos. Voilà, il ressemble à ça. Donc, vous voyez déjà, leurs laines, ils ont déjà repoussé. Donc, ça va être pas mal. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu, en même pas 5 minutes. Regarde, ça vient de repousser. En même pas 5 minutes, j'ai déjà 15 laines. Vous imaginez un peu? C'est incroyable. Par contre, toi descends. Ce serait sympa. On va casser ça pour que y a pas de mob qui rentre dedans. Donc c'est incroyable comme c'est abusé en fait. Mais c'est abusé de chez abusé. En fait, ils ont juste à manger un carré de terre là. Et du coup, ils reprennent des poils de mouton. Et du coup, on les cisaille et c'est bon. Voilà, du coup, on a 15, 18 laines. 18 laines, pardon. Donc, on va récupérer toute la laine qu'on a pour tout simplement se faire des lits. Donc, alors, le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de bois. Mais bon, on peut déjà se faire 7 lits. On va pas se les faire maintenant, en vrai. Parce que, je sais pas. Je sais pas, je sais pas du tout. Parce que 7 lits, est-ce que ça suffit pour trouver... Ça suffit pour trouver au moins une netherite, vous pensez? Ah, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais bon, déjà, en 30, avec 30 de laine. Ouais. Ok. Bon. Bon. Vous savez quoi? On va tout poser à l'intérieur. Et ce qu'on va faire. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Je pense qu'on va tout de suite dormir et aller chercher encore un bloc d'obsidienne. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va aller chercher encore. On va chercher un bloc d'obsidienne. On va aller le chercher. Et. Ouais, on va. Ben voilà. Ouais. Par contre, je vais juste prendre ma cisaille sur moi. Parce qu'au cas où, si on rencontre des petits moutons sur le passage. Voilà, lui, il m'en a donné 3. Vous imaginez? C'est énorme. Bon, allez. On y va chercher de l'obsidienne. Du coup, pour l'opsi, je sais pas du tout où on va devoir aller. On va devoir faire un sacré bout de chemin, mais c'est pas grave. Comme ça fait un petit peu durer la vidéo. Donc voilà. Après, on peut tout simplement aller dans les grottes, hein. Il me faut un seau d'eau. Ah bon, on va récupérer un seau d'eau, hein. Bon, mais vous savez quoi, on n'a même pas allé bien loin. On va juste récupérer notre petit... Ah bah il est là le seau d'eau. Oh là là, je suis bête. On va récupérer notre seau d'eau, on va le mettre avec la lave, du coup ça va faire un bloc. Et comme ça sera good. En plus là on a une bonne petite grotte. Donc c'est plutôt sympa. Est-ce que ça fait des blocs d'obsidienne? Non, c'est pas l'impression. Je crois qu'il faut les. Ah ouais, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est pas comme ça, ah ouais. Bon bah j'ai fait une petite bêtise. Bon bah ça arrive. Ça s'est tout transformé en bloc de pierre, mais bon. Wow. Ok, il y a toujours un bloc de lave. Voilà. Là, c'est un bloc d'obsidienne. Donc, allez, on va le casser. On va le récupérer. Merci le creeper, hein. Merci beaucoup le creeper. Alors, on va casser. Voilà. On a le petit bloc. C'est nickel. Quoi qu'on avait le bloc d'obsidienne pleureuse qu'on pouvait utiliser. Mais j'avais pas trop envie de l'utiliser. J'avais plutôt envie de le garder dans mon inventaire. Dans mon petit coffre, parce que c'est un truc nouveau, donc j'avais plutôt envie de le garder. Mais bon, donc voilà, on est bien. Alors, aussi, ce que je vais faire, puisqu'on est à côté, je vais aller récupérer. Oula, c'est vrai qu'il y a cette grotte là. Pour passer comme ça. Oula, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, comme je disais, on va juste récupérer. Un petit peu de blé dans leur village parce qu'on en a, on va en avoir besoin pour les moutons. Donc voilà. Donc par contre,
Village à force, à force. Ah, et aussi, je suis malheureusement désolé, les petits villageois, mais je vais piller tout vos lits. Alors, ici, il n'y a pas de lit, ok. Je vais piller tous vos lits parce que je vais en avoir besoin pour la netherite. Je pense que c'est plus important la netherite. Ok, il y a un raid. Ok, il y a un raid. Faut que je me dépêche. Ok, j'ai récupéré mon lit. Bah, il y a un raid. Il y a un raid puisque j'avais la. La truc. Oh, ils m'ont fait flipper. Ils m'ont fait flipper. Bon, par contre, il y a un raid et ça, c'est pas cool. Oh là, ils sont là, ils sont là, ils sont derrière moi. Allez, hop, moi je me mets là. Je bouge plus. Non, plus sérieusement, je vais récupérer tout ce que je peux. Parce que de toute façon, le village, il est mort. Puisqu'il va se faire raid. Créatures restent en deux. Ah, ça va, ils sont pas beaucoup. Mince, ok. Oh, par contre, le bruit du. Du raid, il m'a fait extrêmement peur. Parce que peut-être ma télé est à fond au niveau du son. Allez, là, normalement, c'est bon. Hop. Toi. Quoi, tu l'as pas tué? Ok, c'est bon. Excuse-moi pour ton lit, cher. Hop. Ici, est-ce qu'il y a un lit? Je sais pas. Non, il n'y en a pas. Très bien, bon, on a déjà récupéré deux lits. Explosion. Donc, c'est pas mal. Par contre, ils ont pas de blé dans ce village. Ils ont vraiment pas de blé. C'est une blague. Ok, des betteraves, des baies. Non, mais ils ont pas de blé. Tout ce qu'il me fallait, ils l'ont pas. Bon. Ici, on a regardé ici. Ah. Ah non, ça c'est juste un coffre. Des bottes, ok. On va récupérer les deux petits chaudrons. On prend tout, c'est bon. Ah, ça par contre. Ça par contre, ça je le récupère aussi. Ça sert ça. Les torches. Les torches, ça je prends aussi. Bon, on va pas quand même tout piller le village. On va pas récupérer toutes les constructions, etc. Mais c'était juste pour récupérer 2-3 trucs importants, quoi. Alors, j'ai vu le creeper, vous inquiétez pas. Dans votre écran, vous disiez, Lolo, il y a un creeper. Vous inquiétez pas, je l'ai vu. Bon. Alors, on retourne à la base. On va poser le bloc de obsidienne. On n'allume pas pour le moment le truc du nether. On va pas l'allumer pour le moment. On l'allumera dans le prochain épisode. Et je pense, je vais réfléchir un petit peu. Le temps de savoir si je vais si je vais aller dans le Nether pour aller chercher de la Netherite ou pas, j'en ai aucune idée. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va aller dans le Nether, on va falloir prendre énormément de lits. Donc c'est pour ça que je suis pas très très prêt pour le moment. Donc vous voyez, il y en a un qui a repoussé et l'autre il a pas repoussé. Ok. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une petite torche là. Torche là. Voilà pour que. Oula, par contre, toi, si tu me fais exploser tout, ça va pas être cool. Allez, viens. Doucement. Très bien. Ok. Bon, après aussi, vous allez me dire, on peut faire une farm à creeper, mais c'est beaucoup plus long. La farm à creeper, c'est beaucoup plus long. Donc, alors, juste, j'ai la petite cisaille sur moi. Donc, on va en profiter pour couper la laine. Le bébé est en train de grandir. Oula. Par contre, j'ai un petit peu loqué. Et le zombie, il est bloqué dans les baies. Regardez-moi ça. Alors, t'es bloqué? Oh, je peux lui taper des coups. Oh, c'est un bon piège, ça aussi. C'est un bon piège. Aïe. C'est un très très bon piège. Bon. Alors. On va pas parler une heure. On va aller poser le petit bloc d'obsidienne, le dernier. Et on allumera le Nether dans le prochain épisode. Donc voilà. Hop, on va aller le poser tranquillement. Au niveau de la bouffe aussi, parce qu'on va rester beaucoup de temps dans le Nether et il va falloir récupérer énormément de bouffe. Donc voilà. Pour ça qu'il va falloir se faire un enclos à cochon aussi. Hop. Allez, on rentre à la maison. Tranquillement. Alors, du coup, on a obtenu 8 laines. Hop, en plus, on a deux lits. Alors, par contre,
Ça, je viens de le voir. J'ai deux graines. Donc on va commencer une petite plantation. Ça me serait pas, ça me sert pas pour le moment. Donc alors, la cisaille, ça on va lever. On va mettre ça là. Donc, le petit alambic, on va le mettre chez nous. On va le mettre sur la petite table de craft. Voilà. Pour les chaudrons, on va mettre les deux là. Très bien. La petite meule, on va la mettre là. Ici, je pense que c'est pas mal, la petite meule. La table d'enchant, on la mettra dans un coin spécial. Et pour le composteur, on va le mettre. On va pouvoir le mettre, le composteur, pour le moment. Pour le moment, on va le poser là. Voilà, très bien. On va le poser là. Ce qu'on va faire aussi, avant que la vidéo se termine, on va récupérer la viande qui reste là. On va se faire une petite ouf avec. Le petit fer qu'on a. Bon, j'en ai pris un peu plus, mais c'est pas grave. On va se faire une petite toux en fer. Ok. On va les mettre au bord de l'eau. De toute façon, il n'y en a que deux. Donc, c'est pas très, très encombrant. Hop. Voilà. On va juste reboucher comme ça. Là, ici. Et voilà, du coup on a un mini, mais vraiment mini, mini, mini. Hein. On a un mini champ de blé, mais en tout cas c'est toujours de blé en plus. Donc c'est toujours bien. Donc alors nickel. Eux, ils ont repoussé. Voilà, très bien. De la laine en plus. Voilà, sur là par exemple, sur les deux, on en a récupéré trois. Donc il y en a un qui en a dû en donner deux. Et un qui en a dû donner un, donc c'est vraiment aléatoirement en fait la laine. On en obtient vraiment aléatoirement. Donc on peut se faire énormément de lit là, je pense. Si je regarde, on peut se faire quasiment 7 lits blancs. Et ouais, mais 7 lits c'est. Non, en vérité, non, c'est. Non, non, on peut pas se faire 7 lits en fait. Parce qu'on n'a pas assez de bois, je pense. C'est pour ça qu'il nous indique 7 lits. Donc voilà. Donc on ira chercher du bois, ça c'est pas un souci. Je le ferai même peut-être en hors caméra. Donc la petite houe, on va la poser là. Tranquillement, on va échanger ça avec ça. Et voilà, je pense qu'on est good. Je pense qu'on est good. Juste pour... Il va me falloir... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, bah les gars. On aura fini pour ce petit épisode qui a duré encore 30 minutes. Bon, mais j'ai arrondi quoi, c'est pas exactement 30 minutes. Donc, ce que je vais faire avant de reprendre l'épisode 7, si je me trompe pas, oui, ça doit être l'épisode 7. Donc, avant de reprendre l'épisode 7, je vais farm à mort en hors caméra le bois plus le. En hors caméra, donc entre l'épisode 6 et 7, parce que je vais pas le faire en épisode parce que sinon ça va être trop long et trop ennuyant. Donc c'est pour ça, je vais m'occuper de la nourriture et du bois en hors caméra. Je vous montrerai tout ça dans le début de l'épisode 7 et dans l'épisode 7, on ira bien sûr dans le Nether. Donc, je sais pas encore si on va récupérer de la Netherite, si on va le faire maintenant ou si on le fera dans les prochains épisodes. Je sais pas encore, on verra par la suite. Je vous dis à la prochaine. C'était le Logitech Kill. Ciao ciao.